Je vais d'abord lui couper le cou. T'as ça Oui, effectivement. Et j'y suis. Ah oui. On lui fait sa fête, alors là, au milieu, tu vois. Alors, tu suis tout le long. Tout l'art de la transformation de Loire repose dans le travail de découpe. La partie la plus charnue disposée vers nous, nous entaillons la peau par le centre, tout en suivant le bréchet et la carcasse avec le couteau pour détacher la chair. On veillera d'ailleurs à en laisser le moins possible sur la carcasse. Tu vois le foie ? Ah ouais, d'accord. Il a une belle couleur. Oui, apparemment, oui, il est pas mal. Arrivé à la hauteur des cuisses, on appuie dessus avec le plat de la main pour casser l'os. Tu vas jusqu'au bout. Tu casses la jointure, la cuisse, voilà. Et pareil de l'autre côté. D'accord. Je peux le faire ? Ah, si tu veux. Bah, et pourquoi pas ? On va essayer, comme ça tu me corriges. Faut que je sente la carcasse sous le couteau. Alors, la jointure, là-bas, comme je te disais, là. Ouais, ah oui, là. La jointure. C'est pas mal, là. Ah, ça y est, ah, je l'ai. Super. Voilà. Oui, oui. En fait, tu lui retires complètement son manteau, quoi. Là, maintenant, il faut prendre en haut. Ah, ok. Et suivre, là. Tu vois ? Ouais, j'y vais. Plaisir. Ah, bah, c'est super. Ça te va ? Super. Je connais des fermières qui le font pas aussi bien. Ça, c'est un joli compliment. C'est vrai ? Ouais. Donc là, on a le fameux foie. Voilà. Je le mets là ? Le foie, on le fera après, oui. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va être destiné au confit, c'est la viande. Bon, l'aile. En fait, tu vas dégager combien de morceaux ? Des quatre. Quatre, c'est-à-dire magret avec l'aile attachée. Oui. Et les deux cuisses. Et la graisse, je suppose que tu la gardes précieusement pour le confit. On la garde pour le confit, puis on peut faire des rillettes, pas qu'avec la peau, bien sûr. Oui, il faut un peu de viande quand même pour la rillette. Il faut un peu de viande, oui. Bon, alors ça, on va le saler. Oui, là, tu mesures pas, hein. Ah non. On saumure la viande par un salage à sec, généralement 24 heures au frais, afin de lui faire perdre de l'eau et de l'assaisonner. Roger me propose de garder ses confits pour le repas que j'organise demain et de cuisiner maintenant ce qu'il a astucieusement préparé à l'avance. T'as pas besoin de les rincer ? Non, c'est pas la peine. Il suffit de faire tomber le sel, c'est bon. Avec toi ? Ouais, tu peux. Le poivre du moulin. On va pouvoir les mettre doucement à cuire. La graisse est déjà très chaude. Ah oui, là, on sent qu'elle est chaude. Donc ça, c'est le bon bruit. Oui. Pour que ce soit entièrement cuit, il faut presque 2 heures, un feu très doux. 2 heures à frémissement, quoi. Oui, voilà. Oh, d'ailleurs, vous ne pouvez pas sentir, mais qu'est-ce que ça sent bon. Parce que ta graisse, on sent qu'elle a servi déjà. Hein. Elle a des arômes de viande. Pour réaliser le confit d'oie de Roger, vous avez besoin d'une belle oie vidée de 4 à 6 kilos, d'un kilo de graisse d'oie ou de canard fondu, de gros sel et de poivre mouliné. En attendant, nous nous attelons à la préparation du foie gras prélevé au moment de la découpe. Là, il me plaît assez, parce que regarde, si tu as les doigts qui marquent, ça veut dire que ton foie est souple, c'est-à-dire qu'il ne contient pas beaucoup de graisse. Donc là, on va le déveiner, c'est ça ? On va le déveiner. Je sépare les deux lobes, pas besoin de couper. Tu les sépares. Ah, il faut les séparer. Voilà. Tu l'ouvres au milieu pour voir. Ouais, là, tu vois la grosse veine. D'accord. Bon, tu vois. Et tu tires, ça vient tout seul. C'est que je suis vraiment heureuse de faire ça avec toi parce que je sais que tu es un expert et moi j'adore le foie. Non, mais je me régale de te voir faire là, c'est bon. Ouais. C'est bon ? Voilà, mais écoute, c'est parfait. Hein. Maintenant, il faut l'assaisonner. Oui. Moi, je mets du porto blanc. D'accord. Pourquoi blanc ? Parce que le rouge pourrait laisser des traces un peu rouges. Voilà. Tu sales comme ça, tu vois, un côté. Tu sales de l'autre côté. Oui, Tu mets le poivre de ce côté. Parce que là, c'est de ce côté que le poivre pénétrera le mieux. Bon, on le met en terrine. Ah, mais parce que tu le fais pas mariner dans l'alcool ? Ah non. Instantané. Voilà. Tu le mets. Tu mets le gros lobe en dessous. Je mets le gros lobe en dessous parce que c'est celui qui épousera le mieux au départ la terrine. Là, tu appuies bien. T'écrases bien. Tu appuies bien. Et alors là, ce lobe-là, tu vois. Tu recouvres. En fait, tu le recomposes en quelque sorte. Oui. Alors, comme il est là, parfait. Alors voilà, le porto, tu vois, j'en mets pas un kilo. Hein, tu mets deux cuillères à soupe, quoi. Et puis là, je vais couvrir. De papier d'alu, pour pas qu'il s'oxyde peut-être aussi. Oui, voilà. Alors, on les met à cuire. Alors. Ah ben oui. Allez. Nous aurons préalablement préchauffé le four à 150 degrés, puis c'est au bain-marie à 100 degrés, pendant environ 3 quarts d'heure, 1 heure, que l'on cuit le foie gras. Cela dépend de la qualité du foie. Il vaut mieux le cuire plus longtemps et pas trop vite que trop brutalement. Bon, les confits sont bons, hein. On va pas les laisser cuire indéfiniment. Oh, ils sont beaux, ils sont bien dorés.